ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Certains savants, comme l'Ahnaf, ils se sont basés sur ce verset pour dire que la prosternation du Coran, elle est wajib, elle est obligatoire. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, aussi a cet avis-là. Mais Jumhur ul-Ulama, la majorité des savants, voient que c'est recommandé. C'est une sunna très recommandée et non une obligation. La preuve de cela, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il était sur le mimbar et il a lu surat al-Nahl. Quand il est arrivé au verset de la prosternation, il est descendu du mimbar et s'est prosterné. Puis, dans la prière du vendredi prochain, il l'a lu encore une fois. Mais cette fois, il ne s'est pas prosterné. Et il a dit, certes Allah ne nous a pas rendu obligatoire cette prosternation, sauf si on le veut. Et il a dit ça devant tous les sahabas et personne ne l'a repris. Donc, c'est considéré comme ijma' des sahabas, un consensus des sahabas. Ils ont tous agréé cette parole de lui. Ils ne l'auront pas repris. Si c'était une erreur, ils l'auraient repris sur place. Ils leur ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Ou Allah a ordonné. Mais le fait qu'ils se soient tus de ce que Omar a dit dans le Jum'a, ça prouve qu'ils sont tous d'accord avec ça. Que c'est une recommandation et non une obligation formelle. Et concernant sujoud tilawa, les prosternations de récitation du Coran, il y a divergence sur la manière de procéder à cette prosternation-là et ses conditions. Certains voient qu'il faut les ablutions, qu'il faut se mettre vers la Qibla, qu'il faut cacher la nudité, comme pour la salat. Et qu'il faut faire le takbir en y allant et en se relevant. D'autres voient que non, tout ceci n'est pas une condition, et que ni la Qibla, ni la pureté, ni etc. Et il y a des preuves en cela, qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité une surah où il y a une prosternation à Mecca, et il y avait dans l'assise les musulmans, les koufars, tout le monde s'est prosterné, même les koufars. Et il est sûr que tout le monde n'avait pas les ablutions parmi les musulmans. S'il fallait les ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait cité. Non. Donc, le sahih, c'est que rien de tout cela n'est obligatoire. C'est mieux, bien sûr, d'avoir les ablutions, de que ce soit vers la Qibla, etc. Mais ce n'est pas obligatoire pour faire la prosternation. De récitation du Coran ou la prosternation de louange envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci ne nécessite pas cela. Après, il y a divergence sur le takbir. Certains voient qu'on fait un takbir pour se prosterner sans se relever. Certains voient qu'il n'y a pas de takbir, il n'y a aucune preuve qui montre qu'il faut faire le takbir, dire Allahu Akbar. On se prosterne simplement. L'imam Ibn Taymiyyah voit que la meilleure manière de se prosterner, c'est de se mettre debout et d'aller en prosternation. Bien qu'en le faisant assis, c'est valable. Il dit car se prosterner de debout au sol, il y a plus d'humiliation en cela que de le faire assis. Non. Maintenant, en ce qui concerne dans la salat, est-ce qu'on fait le takbir ou non? Certains ulama aussi ont parlé de ce sujet. Et le sahih, inshallah, c'est qu'il faut faire le takbir dans la salat. Car il a été rapporté dans le hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir à chaque fois qu'il allait en prosternation ou qu'il se relevait. Donc, ça fait partie d'aller en prosternation dans salat, même si ce n'est pas la prosternation qu'on connaît, ça fait partie des prosternations de la salat. Qu'est-ce qu'il faut dire dans sujoud at-tilawa? Certains rapportent dans les livres une dua spécifique. En réalité, cette dua spécifique, elle n'est pas confirmée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit dans sujoud at-tilawa tout ce qu'on dit dans le sujoud normal. Toutes les duas qui sont rapportées dans le sujoud normal, on peut les dire dans sujoud at-tilawa. Et parmi celle-là, celle qui est rapportée, qu'ils disent que c'est pour sujoud de tilawa, en fait, celle-là, elle a été rapportée dans le sujoud en général. Donc, on peut la dire comme on peut dire toutes les autres doigts à dire dans la prosternation normale. De même, on peut retarder un petit peu sujoud de tilawa, mais on ne peut pas le faire à l'avance. Par exemple, là, on l'a lu, on a expliqué, on l'a retardé un peu, on le fait, tant que ce n'est pas trop tard. Mais on ne peut pas le faire à l'avance.